Die 24-jährige Sarah Accio aus Lausanne ist Studentin und Sprinterin. Sarah ist Silbermedaillengewinnerin an der U23-EM über 200 Meter und auch Teil der erfolgreichen Schweizer Nazi-Staffel. Jetzt will sie auch in der höchsten Frauenkategorie den Durchbruch schaffen. Maintenant, on disait « Ah, mais t'es encore jeune, t'as le temps, etc. » Mais 24 ans, c'est plus jeune, en fait. Maintenant, je fais partie des femmes, et puis je veux une finale, je veux toujours plus. Der Druck ist gross und immer da. Jeder Hundertstel, jedes Detail zählt. Kann Sarah damit umgehen und auch gegen die Besten bestehen? Je fais de l'athlétisme depuis 8 ans. Grâce à l'école, j'ai remarqué que l'athlétisme, c'était peut-être plus fait pour moi. J'ai commencé avec plusieurs disciplines et puis ensuite, on m'a vite orientée sur le sprint plus particulièrement. Ce qui me fascine déjà, c'est tout ce qui est technique, tout ce qui est recherche derrière, mobilité, locomotion. Enfin, c'est vraiment moi quelque chose qui m'intéresse. Et puis c'est vrai que se pousser à chaque entraînement à essayer d'être plus fort qu'hier, c'est mon but. Je suis à l'étape maintenant où, jusqu'à maintenant, on m'a toujours dit « Ah, Sarah, t'es l'espoir de l'athlétisme suisse ». Maintenant, j'ai plus envie d'être l'espoir de l'athlétisme suisse, mais j'aimerais être l'athlétisme suisse. Cette année, j'ai des buts, pas pour être championne d'Europe, hein, on n'a pas encore ce niveau-là, mais je me dis que dans les prochaines années, ça va arriver. Ich habe am Anfang der Saison. Ja, wie ihr gut sehen könnt, ein junges Team, junge Athletinnen und Athleten. Donc, quelle est ta perspective ici à Berlin au Championnat d'Europe? Tous les jours, j'ai rêvé de ma finale, tous les scénarios possibles. Il faudra effectivement faire un bon chrono, il faudra faire un record personnel pour passer en finale, ça c'est sûr. Hier, on a fait l'entraînement en plein soleil, j'ai eu un bon coup de chaud, j'ai pas très bien dormi à cause de ça, donc il faut juste en fait essayer d'éviter le plus possible le soleil. Mais je suis absolument là pour le 200 et 400. Mon but personnel, c'est surtout en fait de réussir à prouver que j'arrive à faire une bonne course, même avec la pression du championnat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, on a vu, qui arrivent pas à sortir leur meilleure course quand il faut. Et chaque année, pour l'instant, j'ai réussi à faire ça, donc j'aimerais montrer que chaque année, j'arrive à être présente. Pour moi, c'est la première occasion de pouvoir montrer, surtout aux autres filles internationales, que la Suisse, on est là. T'as deux fois le vent dans le dos. Sarah, c'est quelqu'un qui est très social, très souriant, très ouvert aux autres. Elle a des buts élevés. Elle est prête à investir aussi beaucoup pour les atteindre. Et puis, elle a des qualités physiques. C'est une grande athlète avec des longues jambes, des belles qualités athlétiques de base. Donc ça, c'est ce qu'elle a pris avec elle comme avantage. Et puis ensuite, il a fallu travailler pour mettre en valeur ses caractéristiques. Bah, au championnat d'Europe, actuellement, c'est d'essayer de faire une finale, donc entrer dans les 8 meilleurs en Europe de sa discipline. Et puis, si on se projette sur les prochaines années, cette expérience ici doit lui servir pour progressivement aussi entrer dans une finale mondiale ou olympique.
sera toujours aidée en ça parce qu'elle est aussi membre du relais 4 x 100 mètres, qui est déjà sur un plus haut niveau qu'elle est là actuellement en individuel. Et puis, ça l'aide à faire ses premières expériences sur ce niveau-là. Et elle peut ensuite prendre ses expériences maintenant les prochaines années pour sa discipline individuelle. On fait des entraînements super durs pour arriver à 22 secondes de course. Et c'est frustrant, on se disait avec les filles, c'est tellement frustrant de travailler toute une année pour 22 secondes. Bah, je me rappelle que c'était la première fois que j'avais l'impression d'être vraiment prête. J'étais vraiment dans la forme de ma vie. J'ai jamais été aussi en forme que ce jour-là. Le problème, c'est que je me suis un peu trop laissée emporter, ou je me suis dit en sortie du virage, là, que bah, j'étais à côté, en tout cas pas trop loin d'elle, et je me suis dit c'est bizarre, j'ai l'impression d'être vraiment bien, et je pense que là j'ai trop réfléchi, je me suis laissée aller, et en fait il y a la Grande-Bretagne qui revient juste devant. Sur les 10 derniers mètres, c'est vrai que bah, elle a pris la place en finale. Alors que sur les 150 premiers, ben, c'est moi qui l'avais. Et du coup, ouais, là, c'était la fin. Ben voilà, c'est 100% de ma faute. Et puis pendant la course, c'est vrai que la mini-seconde où je me dis « Ah, je suis deuxième », ben, j'aurais jamais dû avoir ça en tête. Et puis, c'est ce qui m'a coûté ma deuxième place. C'était nul. Ouais, j'avais l'impression d'être juste relâchée, de réussir à faire une bonne course. J'étais deuxième en sortie de virage, donc je me suis dit que je pouvais réussir à faire quelque chose. Étant proche de Daphné, j'ai cru que ça allait donner un bon temps, mais elle n'a pas du tout fait une course en fait rapide, et c'est ça qui est déstabilisant de derrière. Ça va être compliqué de retrouver la motivation pour autre chose, parce que c'était vraiment le but de toute la saison, et s'entraîner aussi dur pour un centième manquer, ça fait chier. Après, c'était juste de la tristesse à 100%. J'étais juste tellement triste que ça n'ait pas fonctionné. La frustration qu'à un centième, ça passe pas en finale. Et puis que quand je vois les filles qui étaient devant moi, alors certes, c'est des filles très talentueuses, mais ce jour-là, je sais que j'aurais pu faire mieux. Première rencontre avec Sarah, ça s'est passé à Ouchy. Elle était présente pour une journée d'athlétisme pour les juniors. Elle signait des autographes. Je l'ai vue ce jour-là, le coup de foudre. Je lui ai écrit après sur un réseau social et on s'est vus par la suite. Après, tout a matché. Comme dans les films, le bon moment. Alors Sarah, c'est mon soleil. Elle a tout le temps le sourire, elle est tout le temps heureuse. Elle me fait rire tous les jours. C'est vraiment une femme qui est positive. Pas tout le temps, ça dépend au niveau athlétisme, des fois pas, mais je suis là pour la soutenir. Je l'aide à pousser la marque Sarah Cho, c'est sûr. Ça, c'est tout le rôle de la communication, marketing. Et elle a d'autres personnes qui s'occupent de tout ce qui est création de logo, site internet. Mesdames et messieurs, la concentration, c'est pas compliqué. Ouais. Moi je comprends pas les gens, t'as pas le témoin, tu laisses ta main, tu ne bouges pas. Tant que le témoin n'est pas dans ta main, tu lâches ta main. T'es pas coach. Ah ben je devrais. Si il n'y a pas ça, si on était coach, on aurait des putains de rêves. On sait que le foot est un des sports les plus médiatisés au monde. C'est là où il y a aussi le plus d'argent.
Et au niveau de l'athlétisme, il y a aussi, quand on est très connu au niveau européen et puis olympique, mais sinon, les médias sont encore assez loin. C'est plus, je dirais, les réseaux sociaux où il faut entretenir ses fans. On essaye d'avoir de vie privée d'un côté et puis de pas non plus tout afficher partout. Là, c'était mon terrain de récréation quand j'étais petite à l'école. C'est sur cette piste-là, exactement là, que j'ai commencé l'athlétisme avec ma prof d'école. Et puis j'avais battu tous les garçons de ma classe sur cette piste. Et puis ma prof, elle m'avait dit « Ah, peut-être que tu devrais commencer l'athlétisme ». Donc c'est un peu là où tout a commencé, ouais. Exactement sur cette même piste, j'ai fait mes premiers, je crois que c'était 80 mètres à l'époque. Ouais, 80 ou 60 mètres. Et puis je sais que dans ma classe, il y avait beaucoup de garçons très sportifs. Et mon but, c'était absolument de les battre tous parce que la compétition avait déjà commencé pour moi à l'époque. Et c'est vrai qu'on a créé un peu ce lien de sportifs dans cette classe où on voulait absolument être les plus rapides, les plus compétitifs et puis les meilleurs, quoi. Arnaud, je prends un jus, hein. Avec plaisir. T'as pas le choix, de toute façon. Ah, toi, t'as pas demandé, tu en as pas. Merci. Pardon, je vais faire des omelettes. T'as faim, Adam ? Ouais, toujours. Alors, la vie avec ma petite sœur Sarah, ça a toujours été totalement intégré dans la famille et une grande partie de l'animation de la famille, du cœur de la famille. J'ai aucune idée qui m'est en tête, maintenant. Sarah est très mature pour son âge, elle a très vite grandi, elle a très vite évolué, ce qui fait que j'ai très vite plus besoin de m'inquiéter trop pour elle. Je sais qu'elle peut gérer ses choses elle-même, que si elle a un problème, elle saura me trouver. Donc c'était un point en moins de mon côté, de mon rôle de grand frère. Tu veux savoir ce qui se passe? Vas-y. On emménage ensemble. Ah. Parce qu'en fait, je suis enceinte, puis j'accouche en octobre. Dégage. Alors ça, si jamais ta fille n'est pas très contente, si c'était le cas, elle serait pas très contente. Être content, encore une fois. Alors je serais content, mais après tant que vous avez bien géré le truc, je serais content, tu vois. Non, c'est pas ça. Ça veut dire, on emménage ensemble. Ok, bah top. C'est génial. Je pense que ça a été très positif pour nous d'avoir nos parents qui nous soutenaient à ce point depuis qu'on était jeunes. À la base, quand on était petit, ils voulaient de toute façon qu'on fasse quelque chose. Bon appétit. Hein? Ils ont toujours soutenu dans chaque objectif qu'on se donnait nous-mêmes. C'était très positif dans notre progression, je pense. C'était aussi une très bonne manière de grandir, le fait d'avoir beaucoup d'animation, beaucoup d'amour chez nous, beaucoup de communication, d'activité. J'aimerais beaucoup refaire ça pour ma propre famille plus tard aussi. J'espère, je pense que ça, c'est pareil. Elle veut aussi avoir beaucoup d'enfants. Harvard College. Elle est belle. Bon, c'est moi que je connais. J'étais à l'école avec. Sérieux? Ouais. Je te jure. La vie de ma mère. Eh ben. Ça, c'est du Tinder. Puis elle est dure. Ça va, je dirais pétillante, sérieuse, déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. Et des fois, peut-être trop sérieuse, je dirais même des fois, mais ça lui va bien. Ça lui va bien, parce que ça la permet d'avancer, d'aller où elle veut et de faire ce qu'elle veut bien. Donc, je trouve qu'elle est géniale et qu'elle ne devrait pas changer. Donc c'est une finale surtout, donc c'est seulement les 8 meilleurs de tout le monde entier qui peuvent être là. Donc ça rend la chose plus particulière parce que c'est déjà dans le monde entier, c'est les meilleurs, voilà, on crée des liens différents. Là on est en Suisse, on est à la maison, donc on est plus, je pense, plus à l'aise.
l'athlétisme suisse dans le sprint pour les femmes, c'est absolument grâce au relais qui a été lancé en 2010. À la base, il n'y avait pas de sprinteuse très forte en fait. Et c'est incroyable l'évolution et je pense que c'est grâce à ça. Toutes les femmes veulent avoir leur place dans l'équipe, donc tout le monde doit courir incroyablement vite et c'est ce qui fait que l'équipe suisse va vite. Pas se faire emporter par l'émotion, par le voilà, on est à la maison, le bruit qu'il y a, etc. Et il faut réussir à rester ultra stable jusqu'au moment pile centimètre près où il faut partir. Et c'est ça que des fois on a de la peine à faire. C'est voilà, on est à la maison, on veut absolument courir vite. Bon, ce qui est différent, c'est déjà qu'on n'a pas de starting block, donc moi ça m'arrange parce que c'est vraiment pas mon point fort. Et donc concrètement, j'arrive à courir beaucoup plus vite sur un relais parce que je suis lancée que sur une course avec un starting block. Ce qui, du coup, moi, est vraiment un point positif. Et oui, ce qui est différent aussi, c'est qu'on fête après avec une équipe et pas seulement nous toutes seules sur la ligne d'arrivée. Donc ça, c'est spécial. Elle est tellement concentrée. Pour nous, Zurich et Athletissima, c'est toujours chaleureux, c'est toujours un événement qui nous tient à cœur. Et puis ben, je me réjouissais d'être sur la piste, de pouvoir interagir avec le public, pouvoir faire un peu ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Et puis c'est toujours de l'excitation, arriver sur ce genre de piste et puis pouvoir montrer aux autres nations qu'on est toujours là et qu'on est toujours forte. Bah, là, dès qu'elle passe là, moi je me mets en position. Là, maintenant. Et puis là, le passage, il était incroyable. Puis là, on voit qu'on remonte directement sur les Hollandaises. Bon, c'est vrai qu'elle vient vite aussi, la Grande-Bretagne. Et là, avec Mujinga, c'était parfait. Ça, c'était le plus beau passage. Avec Mujinga, je crois qu'on a fait notre record là sur le passage de 30 mètres. Et là, ce qui est frustrant, c'est qu'on est largement devant, mais c'est Dina Hachesmith qui arrive derrière. Et là, on peut rien faire parce que même si on a 10 mètres d'avance sur l'Allemagne, on se fait quand même rattraper parce que bah, c'est Dina Hachesmith, quoi. Triple championne d'Europe. Incroyable, incroyable. Ben voilà, on est quand même fiers de faire deuxième. Il faut qu'on réalise qu'on a beaucoup de chance, comme la petite Suisse, de pouvoir faire des podiums régulièrement en Diamond League. Ben là, c'est vrai que j'analyse un peu tous les mouvements et autres. Et quand je regarde, j'ai les abdos toujours ultra contractés. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que je suis tendue parce que je suis déjà dans le mood de compétition aussi. Ouais. Ce que je fais en cours tous les matins, c'est que j'avais envie de pouvoir allier sport et études en même temps. Et à l'ESM, c'est le moyen idéal parce qu'on peut allier les camps d'entraînement, surtout pendant la saison, pouvoir faire les examens peut-être à une date différente, etc. Ce qui n'est pas possible dans les autres universités. Les cours sont vraiment très concrets, donc moi ça me plaît et j'ai l'impression que ça peut aussi m'aider pour mes ambitions futures. Bah, ce qui est bien justement, c'est que toute la matinée, je suis plus Sarah athlète, mais Sarah étudiante, comme tout le monde. Et puis c'est aussi une partie qui aide un peu à sortir de cette routine, de toujours faire sport, récupération, entraînement, etc. Et ouais, je pense que c'est aussi pour rester un peu plus sain d'esprit. Je passe beaucoup de temps avec Sarah parce qu'on fait les mêmes études en fait. Le matin ensemble on va en cours, donc de 8h à midi on est ensemble. Après on a l'entraînement à 15h, donc de 8h à midi les cours, ensuite dans le train ensemble, ensuite à l'entraînement jusqu'à 18h. On est un peu comme des sœurs parce qu'on est assez pareil, on rigole beaucoup. Ouais, on a les mêmes délires si je peux dire.
on est vraiment comme une famille parce qu'on est toujours ensemble. Et quand on est en compétition, en fait, on espère toujours que en fait, notre coéquipière, elle fasse bien ou aussi bien, faire aussi bien qu'elle ou qu'on fasse aussi bien qu'elle. Du coup, on s'encourage beaucoup, on s'aide beaucoup, on se motive beaucoup entre nous. Et bah, ça nous donne plus de force, en fait. Les points forts de Sarah, c'est qu'elle est très forte mentalement. Et les points faibles, peut-être, c'est des fois, elle doute un peu trop de ses capacités. Parce qu'on voit à l'entraînement qu'elle s'entraîne bien. Elle doute un peu des fois trop, alors qu'elle ne devrait pas du tout. Bon, on a beaucoup de chance d'avoir cette halle puisque c'est la seule qu'on a à disposition dans toute la région. Donc on fait 45 minutes de trajet par jour pour arriver ici. On n'a que 50 mètres, donc pour des coureurs de 400 mètres, etc., c'est un peu plus compliqué. En fait, la seule halle qu'on pourrait avoir, c'est à Maglingen, qui est à 2 heures, ou alors Saint-Gall. Assez flexible. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu leur routine et puis leur façon de faire. Moi, j'aime pas trop ça parce que du coup, si un jour on n'arrive pas à faire la routine complète, on est un peu déstabilisé ou autre. Mais je sais que la chose la plus importante, c'est pour moi d'avoir de la musique pendant l'échauffement, juste pour me mettre dans l'ambiance et puis me motiver un peu. Mais sinon, ça me dérange pas. Je parle avec tout le monde s'il faut parler ou voilà, j'essaie de me concentrer un minimum quand même, mais j'essaie de pas en faire trop. Comme ça, ça nous prend vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie et je pense que les gens de l'extérieur, ils se disent beaucoup que venir ici faire 3 fois 60 mètres, c'est pas forcément très compliqué, voilà, tu te mets dans les blocs et tu cours. Et en fait, ils se rendent pas compte déjà des échauffements à chaque fois une heure à l'avance, donc au final, ça fait 3 heures d'échauffement sur la journée. De l'extérieur, je pense que les gens, ils viennent juste voir le spectacle. Si je suis là, c'est que je peux aussi me battre avec les meilleurs mondiaux et pas toujours me dire, bon, elle c'est la meilleure et moi je suis derrière. Je pense qu'il faudrait réussir maintenant à se dire, bah, je vais me battre et essayer de me battre aussi pour les premières places. Le jour de la compétition, effectivement, on devient concurrente parce qu'on est toutes là pour gagner, mais on s'encourage en fait les unes quand même les autres et ouais, on est là pour l'autre. On est vraiment des copines avant d'être juste des rivales et puis on est toutes ultra contentes l'une pour l'autre, on se fait des câlins, on s'encourage beaucoup et je pense que c'est aussi très important pour l'esprit d'équipe et puis pour la cohésion de groupe.
parce que ben, toute la saison, j'ai vraiment eu de la peine à me mettre dedans. J'avais vraiment beaucoup de blessures et des problèmes. Et là, j'ai juste pas réfléchi, j'ai couru avec tout mon cœur. Déception parce que je pensais que ça allait être le moment de vraiment officiellement jouer dans la cour des grands. C'était la pire déception, je pense, qui pouvait arriver parce que je pense que j'étais physiquement vraiment très prête, mais c'est peut-être mentalement que j'avais pas toutes les clés en main. Et puis ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument améliorer pour les années prochaines. Si on se fixe quelque chose déjà maintenant pour Tokyo ou autre, je pense qu'on est trop focalisé là-dessus et c'est pas forcément ce qui nous apporte le plus. Maintenant, je dois te mettre les priorités. Et je pense que c'est une bonne année pour faire cette transition parce que l'année prochaine, c'est les Jeux et il faut vraiment que je parte dans la bonne direction. Sarah sprintet in Top 10 an der EM in Berlin. Und sie ist die schnellste Schweizerin an den Hallenmeisterschaften über 200 Meter. Doch sie will mehr. Sie will allen beweisen, dass sie im Sprint national wie auch international zu den besten drei gehört. Für das braucht sie regelmäßige Top-Resultate. Wird sich der Traum in den nächsten Monaten erfüllen? In der nächsten Folge begleitet mir der 18-jährige André Beiner, Gymnasiast und dreifacher Schweizer Jugendboxmeister. Der talentierte Berner startet neu in der Eliteklasse und will gerade im ersten Jahr Schweizer Meister werden.